pas aucun dossier pour Guy Philippe dans juridiction des cailles. OK. Information moi je dans bon timamite côté mi avec nous là pas aucun dossier dans juridiction des cailles. Vous cantez la parole. OK. Vous cantez la parole. Pas gagné aucun dossier pour Guy Philippe dans juridiction des cailles. Vous prenez pas gagné non. Il reproche Guy Philippe. Bon, peut-être et quand document qui vient joindre là son autorité. Oui, il y a un certificat de greffe là, qui m'a confirmé pour nous, qui dit qu'il n'y a pas de reproche Guy Philippe. Et puis tout, il y a eu un certificat de greffe paquet au CAI. Mais malheureusement, je ne sais pas. Mais sauf que je ne dis pas rien dossier. Mais greffe là dit, certainement, greffe là, je ne sais pas, c'est sous téléphone, mwen, certainement, greffe là dit, il n'y a pas de dossier pour lui. Certes, il y a un mandat de comparution pour Guy Philippe en 2016. Mais comme CSPJ révoque le juge là, il met le dans le système là, mais automatiquement, mandat tout tombe tout. Ok? Si le si mandat d'amener a toujours existé, automatiquement, CSPJ, juge là, pas un mandat, ou bien révoque le. Ça veut dire, il n'y a pas de travail sur le dossier, mais c'est ça la loi dit. Mandat, il tout tombé automatique. Moyennant que doyen li capable rendre une ordonnance, li remettre on l'autre juge dossier. Béni Noël. Li pas juge encore, yo mettil dehors dans système là. CSPJ mettait Béni Noël dehors dans système là. Ça veut dire si t'es gon mandat de un mandat d'amener il tombe automatiquement, il pas existé encore parce que c'est juste ça, c'est ça la loi dit. Boucanté c'est la amené mandat d'amener. OK. Mais moi dit tout si tu gagné si doyen rend une ordonnance. Si doyen rend une ordonnance il y baron l'autre juge dossier. Mais comment les citoyens tu doyen en période ça parce que au cas actuellement là gon l'autre doyen qui est installé récemment là. Est-ce que tu as l'autre juge qui a un dossier qui t'est passé dans le mois de juin 2016 là? Est-ce que tu as l'autre juge qui t'a traité le dossier là? Mais c'est ça que j'ai envie de garder avec l'ancien juge d'instruction ça. Juge là pas dans le système là encore. On dit que c'est sous mandat ça. Yo Kembe Guy Philippe. Est-ce que vous bien Kembe? Arrestation illégale. Mandat tombé d'office. Mm-hmm. Et puis juge là pas en fonction encore. Eh bien, si tu descends de yon mandat ça a tombé. Mm-hmm. Parce que principe là, l'arrêter yon monde avec yon mandat qui te émet par un magistrat, mm-hmm. c'est devant magistrat ça pour mener mon directement. Mm-hmm. Ok, si mandat juge la fini pour un réseau ou pour l'autre li pas là, mm-hmm. eh bien, comme doit c'est le même cap administré tribunal là, de ce monde ça, il a toujours remettre lui en fait c'est une ordonnance de désignation à l'autre juge. Mm-hmm. L'autre juge ça lui-même comme. Et lui-même, il est capable de jouer un niveau d'appréciation par examiner deux agents d'appréciation. Il est capable de réitérer mm-hmm. mandat ça, s'il voulait. Ok? Mm-hmm. Il est capable de réitérer. Mais depuis le juge là, il n'est pas en fonction encore. Donc mandat ça a tombé d'office. Si il a arrêté Guy Philippe mm-hmm. avec un type de mandat, arrestation illégale, donc avocat, il connaît qui ça veut faire. Mm-hmm. Maintenant, Kassa, qui, comme avocat, c'est vrai, c'est pas au cap défendre lui, mais on est au cap pareil qui là-dedans, qui ça, avocat Guy Philippe, doit faire? Constitution a dit qui ça pour faire, oui. Mm-hmm. Parce que nous avons une procédure, à des procédures haïtiennes dans les très formalistes. Même si vous avez reproché un monde une infraction, donc faire qu'il s'en commette, mais il y a une forme, une façon, Constitution a dit, pour mon ça lui-même est capable d'arrêter. Mm-hmm. Il y a une façon pour être capable de mener devant une autorité judiciaire. Mm-hmm. Donc, depuis que la forme pas respectée, or, nous connaissons que les droits à la liberté individuelle sont droits qui sont fondamentaux et sont droits qui sont inhérents à la personne même. Mais ça me dit un droit qui est inhérent, un droit qui est fondamental. Mm-hmm. Donc, depuis que le droit est violé, c'est la Constitution qui trace la procédure à suivre et
il nous gagne d'autres conventions, tout gagne des accords internationaux, des conventions, etc. Donc, qui trace la procédure à suivre en cas où une arrestation t'a jugée illégale, et bien, mais qui décision qui pour toi. Ok, peut-être, m'a connu, est-ce que l'autorité, bon, oui, moi, je voulais quoi, je te connais, Guy Philippe a rentré jeudi, hein. Donc, ou dit, juge qui t'a, c'est pour dossier ça, c'est spéculé, n'a pas spéculé, parce que jusqu'à présent, et moi, parler avec avocat Guy Philippe, yo, de CPJ dit, yo, pas gain autorité, yo, pas recevoir l'ordre pour recevoir avocat. Est-ce que son sorte de violation, la loi liée pour Guy Philippe? Moi-même, c'est ça, on a ici. Comme si moi la police, comme on sait la justice, mais semblait, c'est comme si la justice qui t'avait auxilié la police. Radio Omega. Parce que, mais c'est des CPJO pour la plupart. L'homme, par contre, c'est ces formations, il ne peut pas recevoir, il ne peut pas recevoir assez de formations. Donc, par contre, il faut respecter le monde. Et parfois, mais c'est ça à comporter, comme si ce sont des hommes et des femmes qui sont au-dessus de la loi. Donc, ou capable de CPJ lui-même, c'est comme une institution qui est indépendante. Fait partie du système, non? Donc, c'est que les policiers, ce sont des super policiers qui ne pas comporter en auxiliaire de la justice. Ils même, ils ont fait ça, ils veulent, mais ce n'est pas vrai. Non, état de droit, ok? Donc, doit tout citoyen de respecter, même si vous êtes un policier dans n'importe niveau dans la police, mais vous devez connaître, il faut respecter le droit de monde. Ou pas qu'il y ait un droit. Et ou pour ou interpeller un citoyen, ou entrer avec dans le bureau, et puis ou refuse l'avocat entrer pour assister mon nom. En constitution, on dit à n'importe à toutes les phases de la procédure, que citoyen qui fait objet d'interpellation, il doit assister soit de un témoin qui lui met ou bien un avocat. On témoin de son choix ou bien un avocat. On témoin de son choix ou un avocat. Parce que moi-même, moi songe, j'aime très juridiction. Et j'ai toujours respecté le droit de ça. Depuis que je n'ai pas gagné un avocat, rapidement les balles du bureau d'assistance légale pour voir un avocat venir assister mon nom. Parce que je ne veux pas parler pour mon nom les mêmes lèvres de femmes qui ont vu des sections pour dire que je les dois. Je ne pas très aimer ça. Je ne pas comprendre pour des CPJ attendre mon chambre fermée pour un avocat qui entre et qui cause ça. Donc vous qualifiez ça ou même. Parce que ma parle à deux mouns là, ma parle à parle avec avocat militant actuellement là, et ma parle avec magistrat, ancien juge instructeur là. Oui, je suis professionnel. Oui. Oui, son violation flagrante, droit citoyen, ou pas de droit, à n'importe quelle phase, à toutes les phases de la procédure, donc depuis l'arrestation jusqu'au jugement, mon nom doit toujours assister, faut un avocat, s'il n'y a pas de moyen. Pour le payer avocat, de commettre une d'office pour lui. L'État paye un avocat. Yeah, c'est pour ça qu'il y a mal, de la chance légale. Il paye mon zaro, c'est pour assister les gens démunis, les gens qui ne sont pas capables. Parce que la constitution est claire. Il est clair. Puis, c'est comme si il mettait la politique devant tout le bagaille. Pour qui ça, mon Guy Philippe, son haïtien lié, il était dans la prison dans le pays étranger, il venait. Eh bien, Sylvie Ney, il y aurait l'île dans le DCPJ, il dit avocat. Mais avant de poser une question, monsieur l'avocat, il devant l'avocat, il peut poser une question. Oui. On a pas moins tourné avec vous, non, magistrat Benny Noël. C'est lui-même qui a dit, oui. M'gade mandat de comparution qui est en circulation et m'confirmer son mandat authentique qu'il est. Benny Noël, il s'est, parce que m'parle avec, on n'a pas qu'au CAI, il a confirmé c'est Benny Noël qui t'a prêté et dossier ça. Donc, on dit, automatiquement, juge là-bas dans le système, non? Mandat, il tombe automatique. Il tombe d'office. Okay. N'importe si c'est un droit à juge là. Oui, il tombe. Il faut que c'est sérieux. Il tombe. Ok? Il tombe. Parce que mon nom qui signe un mandat, le arrêté, mon nom c'est devant mon tapou menel. Ok? Donc le juge émetteur du mandat, c'est lui-même qui est juge naturel, mon nom pour le moment, c'est devant pour menel. Donc si le juge là-bas dans le système, non, quand il n'est pas là, eh bien, parce qu'on doit pas menel qu'on est là. Ok, d'accord. Qui est-ce qu'on va le prendre? D'accord. On va venir sous mener, oui. Mais on dit, doyen comme administrateur tribunal là, la prendre une ordonnance, la choisir un autre juge. Non, si, par exemple, mandat juge l'a fini, ou bien pour une raison ou pour l'autre, juge là, lui-même, il n'est pas dans ce système là encore, eh bien, c'est juge là qui allait mettre dossier, a toujours été dans le tribunal là, là pour mettre dossier avant l'aller, parce que c'est un inventaire.
eh bien, doyen lui-même, comme administrateur du tribunal, est capable de désigner l'autre juge, de remettre le dossier. Donc, juste à lui-même, s'il voulait, il est capable de réitérer l'acte que le juge qui a travaillé avant lui-même était fait. Donc, il est capable de renouveler le mandat, ok, mandat 14 en circulation, mais sous une autre signature. Ok, d'accord, mandat 14 toujours en circulation, mais sous l'autre signature, parce que les mandats, voilà, c'est ton mandat de comparution. Sur le mandat de comparution, est-ce que tu as un mandat d'amener? Je ne sais pas, puisque il dit qu'il doit. Mais mandat de comparution, ma gestation là-dedans, non? Je connais, c'est ça que fait magistrat lui-même li brandi dans mandat de comparution. Si mon invité n'est pas venu, il y a l'article 30, article 77, contre description criminelle là. Oui, si les salles. Il est capable toujours de faire un mandat d'amener. Mais mandat d'amener, pas veut dire qu'on est en prison pour ça. Oui. Est-ce qu'il y a avec un mandat d'amener? Est-ce qu'il y a avec un mandat d'amener? C'est ça, je vais regarder. Avec un mandat d'amener, ou bien doit arrêter autant de monde, la police mène le baou, côté joint lui parce qu'il n'a pas décidé de venir. Est-ce que c'est automatique ce mandat de dépôt à faire pour lui? Non, il n'est pas obligatoire. C'est lorsqu'il y a un mandat d'amener, qu'on doit apprécier, faire une déclaration de bail, pour que ça le dise. Donc, sous-estimer qu'il y a des indices. Et il y a des bagages qui ont fait que vous obligez Kimbil pour capable approfondir l'enquête là. Ok, vous obligez mettre laissez vous mettre au mandat de dépôt. Vous mettez mon côté pour toujours à la disposition de la justice. Pour que mon capable accéder à des garanties judiciaires. Et pour l'obligation, vous ne pas joindre, vous pouvez toujours mettre le dépôt. Mais si c'est un citoyen qui a un domicile, et c'est un cas prendre des mesures et restrictives de liberté ou qu'il ne passe pas ou ok, ou dire. Et n'importe le s'il a déplacé, donc il faut venir côté autoriser, etc. Donc vous prenez les mesures. Ok, on va obliger et vous mettre en prison pour faire peur, comme si on va faire pression sur les noms. Pas obligé.